j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour la partie couture du top à épaules dénudées alors pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo où je montre comment tracer le patron je vous invite à aller regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci donc voilà la dernière fois, j'avais déjà tracé le patron. Maintenant, c'est la partie couture. Je vais vous laisser voir ça tout de suite. Alors, voilà mon patron à échelle réelle. Donc, à mes mesures. On a la partie du dos, la partie du devant et la manche. Comme vous pouvez le voir au début, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Je vais utiliser ce magnifique tissu que j'avais acheté à Anvers. Oui, il est vraiment très joli. Donc voilà, je vais le déplier. Je vais euh, marquer l'envers et l'endroit. Avec certains tissu wax, l'envers et l'endroit se ressemblent fortement. Donc ici, je vais mettre mes marques. Donc voilà, là je pose mes patrons. J'ai déjà mis mes valeurs de couture, hein, donc ne euh, vous en faites pas si vous voyez que c'est tout près, euh, très près comme ça. Les valeurs de couture sont déjà euh, incluses. Voilà. J'ai tout posé, j'ai découpé. Là maintenant, je vais mettre mes marques. Donc, c'est là où va se situer la fente au niveau de ma manche. Comme vous l'avez vu à la partie euh, du tracé du patron, je vous avais dit que j'avais laissé une, euh, une fente au niveau de la manche. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir là où je montre comment est-ce que j'ai laissé euh, cette petite euh, ouverture. Donc, voilà, tous mes patrons sont coupés. Là, j'aurai besoin de l'élastique. Ici, mon élastique, comme je vous avais dit, ça dépend de la taille de votre élastique. Donc, laissez la valeur de l'élastique euh, qui correspond à la taille de votre élastique, euh, finalement. Oui, voilà. Donc, le mien aussi, ça faisait deux et demi. Maintenant, je vais enlever tous les épingles. J'enlève toutes les épingles. Je marque bien l'envers et l'endroit. Enfin, surtout l'envers, puisque... Voilà. Je fais pareil avec l'autre partie. Ce que je vais faire maintenant, je vais coudre les coutures de côté. Je pose bien mon patron endroit, mais endroit contre endroit. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Voilà la couture réalisée. J'en ai profité pour passer un point zigzag. Donc pour ceux qui ont une surjeteuse, vous pouvez le faire à la surjeteuse, sinon à la machine à coudre au point zigzag. Je vais le mettre de côté et je vais passer à la manche. Donc comme je vous avais dit, là j'ai déjà préformé euh, mon ourlet. Comme je vous avais dit, j'ai pris mes marques. Donc, je vous remontre. Voilà. J'ai pris mes marques. C'est là où je vais coudre en laissant donc cette ouverture de... Pour moi, ça faisait 30 cm. D'accord. Donc, avant de passer à la couture, je vais former mon pli. Je vais former ma fente. Donc, je plie. Ici, j'ai fait, euh, j'ai mis une valeur de 1 cm, mais allez, vous pouvez prendre 2 cm, avoir 2 cm et demi pour pouvoir faire un bon, un bon retour au niveau, à ce niveau-là. D'accord Donc, voilà, une fois que... Ma fente est formée, je vais passer maintenant à la couture. Vous voyez? et ça me donne ceci. Ça me donne cette ouverture. D'accord Ce que je vais faire maintenant pour solidifier un petit peu ma fente pour qu'elle ne se déchire pas, je vais thermocoller. Au niveau de la couture de ma fente je vous laisse regarder hein, comme à l'image voilà comme ceci je vais mon collet et je vais passer une couture là tout autour à quelques millimètres ceci c'est pour que la fente ne se déchire pas au fil de l'usage d'accord Voilà, une fois que c'est fait, je passe au fer au passé. Je vais bien aplatir mes coutures. Comme ceci. Je coupe tous les fils qui dépassent. Au bas de ma manche, je vais mettre également un élastique. L'élastique que j'ai choisi fait un centimètre, donc euh, je laisse deux cm de brûle. Ce que je veux faire maintenant, je vais monter ma manche sur mon vêtement. Donc, je repère. La couture du bas de manche que je veux poser sur celle du vêtement. Donc, je fais endroit contre endroit et j'épingle au fur et à mesure. Mettez autant d'épingles que nécessaire pour pouvoir euh, avoir euh, un bon euh, rendu euh, à la fin. D'accord Parce que sinon. Ça n'ira pas. Voilà, je prends mon temps et je vais faire euh, tout le tour. Voilà que c'est fait. J'ai passé à la couture. Maintenant, j'enlève tous les fils qui dépassent. Je mets tout ça au propre. Je vais passer à la surjeteuse pour euh, surfiler tout ça. Ensuite, je vais m'occuper maintenant de la partie du haut, donc la partie euh, dénudée finalement. Alors, je vais faire un premier pli, ensuite un deuxième pli. Je vais faire ça tout autour de mon vêtement et je vais en profiter pour euh, préformer aussi mon ourlet. Voilà, mon pli est formé. Je vais coudre maintenant tout autour en laissant une petite ouverture pour pouvoir enfiler mon élastique. Comme vous pouvez le voir là, une fois que mon élastique a été enfilé, je vais passer à la machine à coudre et je vais fermer mon élastique au point zigzag. Là, je repartis d'abord mon élastique. Bien. Ah oui, chose que j'ai oublié de préciser, pour l'élastique, vous prenez le tour de votre buste, d'accord Moins 5 cm. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'obtiens ceci. Et voilà le résultat. J'en ai profité aussi pour faire un short qui va avec. Et voilà. Oui, je fais ma danse de la joie. J'aime bien ça. <laughs> Alors dites-moi en commentaire le look que vous préférez, l'ensemble ou alors le haut à part ou le short à part. Donc voilà. Je vous laisse danser avec moi. Je ne sais même pas sur quelle chanson je danse. Voilà, J'espère que la vidéo vous a plu.